pense que le verre, c'est une matière extrêmement forte, très très intense, parce qu'elle est là depuis toujours. J'avais en tête, j'ai toujours eu en tête ce morceau de verre, que ça emprisonne la lumière et que ça transmette une couleur dans l'environnement domestique. La première fois qu'on a été invité chez Itella, c'était il y a presque 15 ans aujourd'hui. Elle est faite sur une plateforme, qui est une plateforme un peu comme une scène de théâtre, dans un sens. Il y a toute une organisation très chorégraphiée, avec des gestes très, très précis, parce que cette matière en fusion est extrêmement dangereuse. Et il y a toute une logique des corps et des gestes qui fabriquent nos vases, quoi, comme dans une représentation théâtrale. Et donc, il y avait quelque chose de très touchant dans le fait de voir se réaliser nos pièces là, dans cet endroit un peu mythique, disons. Verre, c'est une matière qui aime la rondeur, qui aime les courbes, qui aime couler un petit peu comme le miel. C'est pas une matière qui aime être tirée vers une forme de géométrie précise. Vaikka tuote näyttää yksinkertaiselta, niin valmistaminen on kumminkin hyvin haastavaa, riippuen kappaleen koosta, että saadaan niitä tasaisia. Ja haastava, että on terävät kulmat, äärikulmat, että täytyy saada lasijako, vahvuus hyvä. Ja täällä ei mitään kappaleita värjätä maalaamalla, että kaikki sekoitetaan väriaineet lasimassaa ja valmistetaan siitä lasimassasta puhaltamalla. Tämä ala on semmoinen, että tätä ei opi koskaan. Tässä riittää aina haasteita, joka päivä. Jossain vaiheessa tulee joku, että mitä pitää miettiä. Donc le losange s'est avéré être la bonne géométrie pour ça, puisque ça nous permettait, ça nous permettait de répondre à à notre souhait de départ, c'est-à-dire de trouver une forme qui permette de marcher, qui fonctionne dans différentes tailles, qui se combine parfaitement pour permettre un jeu de composition, mais aussi de croisement de couleurs, un peu à la manière d'une aquarelle. Presque un croisement liquide entre ces différentes couleurs. Se vaan kiehtoo, kun saa taistella tuommoisen elävän materiaalin kanssa, koska lasi on elävä materiaali. Ja sitten se ei anna anteeksi, jos sitä huonosti kohtelee. Se muistaa. Lasilla on muistaa.